Donc c'est Razor, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale 50 abonnés, donc on va faire du review de vidéo pour fêter ça. Donc c'est un truc que je teste, voilà, j'aimerais vous faire plaisir et vous faire rire. Donc on va changer un peu du gaming, donc ce sera plus du format podcast. Donc du review de vidéo, qu'est-ce que c'est? Vous devez connaître What the Cut avec Antoine Daniel, ou Mathieu Sommet qui fait son émission SLG, ou alors Le Rire Jaune qui a lancé il n'y a pas très longtemps son émission Le Show Jaune. Donc tous les trois, ils ont un format particulier. On va dire que Le Show Jaune, il est fidèle à son personnage, hein, c'est un podcaster. What the Cut, c'est un peu un univers délirant. Et SLG, c'est avec ses multiples personnalités. Donc je vais pas les plagier, voilà, je vais peut-être faire quelques hallucinations à ça pour faire une petite vanne, voilà. Moi ça me fait rire en tout cas. Donc je vais pas les plagier, je vais pas faire le même système qu'eux, etc. Je fais juste une vidéo, voilà, pour se détendre, pour rigoler ensemble. C'est les 50 abonnés, on fête ça, champagne. Salut bande de petits... Oh merde. Je vais me faire encore défoncer par mes abonnés, moi, si je fais du plagiat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, un review de vidéo, donc on va analyser 3 vidéos sur le thème de la musique. Comme vous le savez, pour faire une musique, il faut une chanson, donc un compositeur, il faut des paroles, donc un chanteur, et un clip, ou une petite chorégraphie, donc un danseur. Nous allons analyser 3 vidéos bien particulières, vous allez voir, dont un compositeur, un chanteur et un danseur. C'est parti. Donc la première personne que vous allez voir, c'est un compositeur, et je m'excuse par avance de ce son très désagréable. Son que vous venez de voir, donc bonne musique, hein, on adore. Ça s'appelle Connie Suppen et ça a été présenté par un groupe autrichien qui s'appelle Oshitroll. Alors c'est un groupe, franchement, le meneur, on va dire, c'est quelqu'un de très content de ce qu'il fait, vous allez voir. En plus, bon, il est très concentré dans ce qu'il fait, hein. Et alors, ce mec, si jamais vous êtes une fille, vous regardez mes vidéos, il est franchement beau gosse. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, en plus, dernière critique, c'est pas vraiment une critique. Ce groupe, il vous le faut pour votre mariage. Parce qu'ils sont multitâches, ils font de la musique, et ils chantent, mais ils chantent mieux que tous mes abonnés, donc les 52 là, je vous vois tous derrière votre écran, ils chantent mieux que vous, réunis. Ce qui nous fait une très belle transition, je vous l'accorde, car la deuxième vidéo que nous allons analyser, c'est un chanteur. Vous allez voir. Ok, c'est Jean, mais tu tresses et t'allumes. Si tu fais le voyou avec moi, maintenant j'en ai marre. Tu fais le voyou, je t'allume. Avant la Kalachnikov ou avec le 1143. Maintenant j'en ai marre. Donc, ce fameux rappeur du ghetto, c'est Jean-Michel. Eh oui, il a un nom de malade. Et donc son petit blaze à lui, c'est Jean-Mi du 13. Jean-Mi du 13, un bon truc de ghetto, hein, encore une fois. Et donc Jean-Mi du 13, le 13, ouais, son département, un bon département, bien connu pour son ghetto, hein, bien sûr, c'est les Bouches-du-Rhône. Voilà, vous connaissez tous les rappeurs de la Bouche-du-Rhône.
J'en mets du 13, c'en est un. Et vas-y, c'est à toi. Ouais, moi c'est l'âne du 13. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur, vas-y. Quand sur la calage, tu te la pètes pas trop parce que tu te chies dans la culotte. Tu te la pètes trop quand t'es avec tes potes, mais quand tu me vois, tu te sauves très vite. Et oui, c'est Dylan. Bon, comme son collègue, il a un bon petit blaze, Dylan du 13. Toujours pareil, hein. Et visiblement, il est pas très très confiant non plus. Mais t'inquiète pas, mon copain. Jean-Michel non plus, ton pote, il est pas très confiant. Où je t'allume avec la Kalachnikov ou avec le 1143. Maintenant, j'en ai marre. Pourquoi tu regardes la porte derrière toi? T'as peur que ta mère rentre et te mette une paire de baffes? En même temps, je te comprends. T'essaies d'entraîner tes copains qui sont pas très dans le même délire que toi. T'essaies de les entraîner vers le fond. Attends, tu vas pas non plus qu'ils bicrent avec toi, quoi. Non, non, mais attendez, vous allez pas me croire. C'est des vrais thugs, hein. Si, si, hein. Ils ont la sacoche, le jogging, tout, hein. Ils sont dans une cité, tout le bordel, hein. Bon, il leur manque un truc. Le talent. Smoke weed every day. Et donc, après le chant, la danse. Le personnage que vous allez voir, c'est un danseur et chanteur. Il fait les deux. Il a un petit clip en plus. Donc, c'est un peu l'ensemble. Vous allez voir, il est particulier. Oui. Le mec que vous êtes... Oui, le mec que vous êtes en train de regarder, hein, oui. Il fait bien ce que vous pensez avec sa... Il fait les hélicoptères. Ouais. Tout à fait. Ce monsieur, c'est Alexander Pistolerov. Donc c'est un acteur... voilà, je dirais pas le mot. Donc un acteur hein, de film... pour adulte, et donc il fait des trucs avec des madames. Tout à fait. Et donc, je pense que dans sa tête, il s'est dit voilà, j'aime bien prendre des vidéos de moi tout nu, j'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'ai un fond vert qui traîne chez moi, je vais faire ça. Et c'est pas juste un essai, il en a fait plusieurs. Plusieurs. Mais il est toujours à fond dans son rôle. Il pense qu'il est dans le film. Vous allez voir, c'est un fou ce mec. Et donc voilà, on a fini d'analyser nos trois vidéos. J'espère que ça vous plaît. J'espère avoir réussi un peu à vous faire au moins sourire plutôt que rire. Au moins vous foutrez de ma gueule, au pire ça vous fera rire quand même. Et donc voilà, je vais encore. Une fois, vous remercier d'être 50 à me suivre, même plus, hein, bien sûr. Ça fait vraiment, franchement plaisir, c'est un cap à atteindre. On va pas passer de 0 à 10 millions d'un coup. Bien sûr, j'ai pas l'intention d'arriver à 10 millions, hein, pas pour l'instant. Bon, je suis pas encore prêt pour atteindre le prochain palier, hein. Vous avez le temps d'atteindre les 100 abonnés tranquillement. La prochaine vidéo sera également une vidéo comme ça, donc entre vous et moi, hein, sans gameplay. Ce sera une petite vidéo spéciale, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Comme cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît aussi d'ailleurs. Et donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, ou à vous abonner, même à partager en fait, ce que vous voulez, moi je vous force pas. Si jamais vous voulez partager, c'est en dessous, hein, si ça je dis rien. Et donc voilà, on se laisse ici. Ciao tout le monde.